Bien reçu, ça, ça me fait plaisir. They weren't in our section. Don't put it out, yeah. It's not here, yeah. Ah, comment ça va? Thank you.
Thank you.
De Sa Majesté le Roi Albert II, Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, Monsieur le Représentant de l'Ambassade des États-Unis, Monsieur le Général Aviateur Michel Audry, Commandant de la Composante Air de la Défense, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel,
messieurs les militaires en vos grandes et qualités, mesdames et messieurs les mandataires publics des pouvoirs régionaux, provinciaux et locaux, chers collègues échevins, monsieur le secrétaire communal, chers membres du conseil communal, monsieur le doyen, monsieur le juge, messieurs les directeurs d'école, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, chers compatriotes. Oh, le souvenir, miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible. Maupassant avait raison, mais le souvenir, c'est aussi le miroir des peuples, la mémoire des valeurs qui fondent une civilisation. Merci à vous d'être là si nombreux pour cette fête de liberté. Merci à tous nos amis patriotes, à ceux qui ont risqué leur vie pour la paix, pour la démocratie. Aujourd'hui, 59 ans après, Warem se souvient et vous dit « Nous sommes fiers de vous ». Il aurait eu ce jour 73 ans. En août 1993, la Belgique perdait un très grand roi. Et le peuple belge l'a bien compris, le premier moment de stupeur passé, en lui rendant un hommage exceptionnel, à l'image de tous les chefs d'État du monde entier, arrivés à Bruxelles pour s'incliner une dernière fois devant la dépouille mortelle de celui qui avait si bien incarné son pays et l'Europe. Les patriotes savent mieux que quiconque dans quelles circonstances, pénibles pour tous, le jeune roi Baudouin monte sur le trône en 1951. Sa vie sera une longue suite d'épreuves qui renforceront le caractère du jeune souverain. La question royale, la guerre scolaire, le drame de la décolonisation, la crise sociale de 1960-61, les déchirements communautaires et la crise économique mondiale marqueront un règne qu'adouciront le sourire d'une reine et le respect de ses compatriotes. La séance publique du Conseil communal du 21 septembre 1946, le conseiller Henri Montjoint demande, sur initiative du collège échevinal, la convocation des délégués des diverses... Nous sommes ici ce dimanche 7 septembre pour rendre hommage aux membres du 609 Squadron de la Royal Air Force. La date pour commémorer cet événement n'a pas été choisie au hasard. Il y en a fait 59 ans aujourd'hui, le libérateur entrait dans la ville. Pour les Warémiens, tout commence vraiment le 12 mai 1940 à l'aube, lorsque, débouchant d'oreilles par la chaussée romaine, les chars de la 4e Panzer envahissent la ville. Une chape de plomb vient de s'abattre sur Warem, et bientôt ce sera sur tout le pays. Elle nous oppressera pendant 4 trop longues années. Juin 1944 laisse enfin présager la fin du cauchemar. Les Alliés débarquent en Normandie et leur aviation intensifie ses opérations sur le continent. Ici, en terre de Esbaye, c'est le 10 août que pour la première fois, des chants de mort se mêlent au hennissement des lourds brabançons. Accourus d'Angleterre, des Thunderbolts de l'US Army Air Force
frappe sans ménagement la campagne esbignonne. Léonie Moïs, Camille Ardinois et Émile Piron y perdent la vie. D'autres, meurtris dans leur chair, gémissent dans les hôpitaux. Le 28 août, c'est pire encore. Quatre Lightning, des doubles queues, comme disent les Esbignons, s'en prennent à la guerre de Warren. Ironie du sort, lorsque les redoutables chasseurs-bombardiers s'éloignent, les installations ferroviaires sont intactes. La jeunesse héroïque, le courage, le don de soi. Honneur à nos ailes. Préférant agir que subir aux heures sombres de juin 1940, 124 de nos aviateurs formèrent un noyau belge dans la Royal Air Force. Plus de la moitié payèrent de leur vie cette courageuse attitude. Les pilotes expérimentés furent immédiatement admis en opération. 15 d'entre eux participèrent brillamment en qualité de chasseurs à la célèbre bataille d'Angleterre. 14 autres furent engagés dans les escadrilles de chasse bimoteurs comme pilotes, navigateurs ou mitrailleurs. À cette poignée de pionniers s'ajoutèrent de 1941 à 1944 d'autres aviateurs. Des membres de l'armée de terre et des civils évadés d'Allemagne et de Belgique ou ayant rejoint de toutes les parties du monde. Il fut possible de constituer un flight belge au sein de la 609 et deux escadrilles belges, la 350 d'abord, la 349 ensuite. D'autres de nos pilotes furent dispersés avec des fonctions importantes dans les escadrilles anglaises en Grande-Bretagne, en Afrique, à Malte, au Moyen-Orient, en Italie, aux Indes, dans l'aviation canadienne, sud-africaine et même américaine. Ils participèrent à toutes les opérations de guerre, qu'il se soit agi de chasse, de bombardement, de défense côtière ou de transport. Près de 200 firent au pays le sacrifice de leur vie. Une nouvelle rue en création dans la cité portera désormais le nom par décision de notre conseil communal. Au colonel Raymond Lallemand, je laisse le soin de nous dire à quel point ceux qui nous visitent ce jour et tous leurs amis disparus pour notre liberté, alors que leur vie avoisinait les 20 ans, je lui laisse le soin de nous dire à quel point le destin de l'autre en amont ne peut nous laisser indifférents. Never was so much owed by so many to so few, a crié Winston Churchill. Colonel Lallemand, vous avez la parole. Représentant du roi, monsieur le ministre, mon général, c'est en tant qu'ancien ancien commandant du 609 que je vais vous parler aujourd'hui pour vous montrer
le bon sens du commandement de la RAF, je vais vous dire comment s'est passé le rassemblement de nos pilotes à l'escadron 609 du West Riding, City of Leeds, de l'Auxiliary Air Force. Ce n'était pas un escadron ordinaire, mais des unités de réserve à recrutement local, profitant du week-end pour former des pilotes, généralement des étudiants, des universités, constituant ainsi une réserve de quelques 15 escadrons de 15 escadrons, généralement des étudiants, des universités, constituant ainsi une réserve de quelques 15 escadrons échappant aux contingences politiques. Par exemple, avant la déclaration de la guerre, le 609 avait deux Spitfire Mark I et un Ferry Battle, 12 pilotes et quelques débutants. Normalement, l'escadron est une unité autonome composée de deux flights. J'aime t'expliquer ceci parce qu'on confond bien souvent escadron et escadrille. Donc composé de deux flights, de 12 avions, plus l'avion du commandant, ce qui fait 2 fois 12, 24, et l'avion du commandant, 25, pour un escadron, nous permettant d'accomplir. Qui ont conduit à la libération de l'Aïd Bay. Nous honorons également le Squadron 609 de la Royal Air Force. Ce squadron n'était au départ qu'une unité de réserve, dont beaucoup de ses pilotes étaient sortis de célèbres universités telles que Cambridge ou Oxford. Ils venaient voler au cours des week-ends et pendant les vacances. Dès septembre 1939, ces jeunes gens, qui n'étaient alors que des amateurs, vont prendre conscience que leur patrie est menacée. Très rapidement, sous la conduite de pilotes chevronnés, ils vont devenir des professionnels. La bataille d'Angleterre sera une rude épreuve pour ces jeunes aviateurs. Si l'ennemi subit de lourdes pertes, eux aussi voient fondre leur effectif. Presque chaque jour, un ami, un camarade, un autre que je connais à peine, puisqu'arrivé la veille à l'escadrille, ne rentre pas. Nous évoquons aujourd'hui les événements qui ont conduit à la libération de l'Aïd Bay et en particulier de Warren. Bien sûr, les Alliés avec leur aviation et leur blindé ont joué un rôle déterminant pour chasser l'occupant. Il ne faut cependant pas oublier l'action de la résistance tout au long du conflit, elle va jouer un rôle essentiel pour contrer les desseins de l'occupant. Dès ceci, je me propose de n'évoquer que les plus marquantes. L'interception du courrier destiné à l'occupant, celui qui souvent contient de larges dénonciations, évite bien des arrestations et en corollaire sauve de nombreuses vies.
J'invite à présent Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi à déposer une gerbe au monument du souvenir. Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis et Monsieur le Président de Souvenir et Civisme à m'accompagner pour déposer à notre tour une gerbe au monument du souvenir. Nous allons à présent procéder au dépôt de fleurs, au médaillon du roi Baudouin, puis des victimes des camps nazis. Thank you.
pour dévoiler les armes du squadron. Thank you.
J'invite à présent Monsieur le ministre et toute l'Assemblée au drink du souvenir, ici à quelque part dans le réfectoire de l'Athénée Royal, entré par la cour. Merci encore, bonne journée. Thank you.